bande de vaurien. C'est tout. Elle cache depuis. Il faut aller regarder cette vidéo à YouTube. Hein. Elle cache depuis. Vitesse cache depuis. Après, ça fait des années, en 2014, 2000. Non. Lola a commencé à vendre les gélules l'américaine. Il y avait une femme l'américaine. Allez, c'est là-bas YouTube. Vous êtes là. Hein? Ouais, quand moi, il veut des informations, je regarde Facebook. Non, moi, je m'en vais regarder à YouTube. Oui. Elle clash depuis, hein. Ça, c'est une brutation de mes fesses. Voilà les vraies brutations ici. Amérique. Vous voyez comment elle devient belle chaque jour. Même les teintes changent, même déjà. Oui. Mais attends, il faut laisser. Comme le grand Baroque avait dit, il faut laisser. C'est quoi, tu peux avoir un petit repli un moment. Parle de toi, de ta vie, de ta famille. Tu n'as pas de famille, toi. L'an dernier, enlève le poste là. Tu peux présenter qui à qui? Tu es quelqu'un qui peut présenter quelqu'un à l'an dernier? Hein? N'oublie pas que tu l'as chassé dans une boîte de nuit. C'est pour ça que toi et moi, je ne peux pas te laisser. Parfois, il dit que non, je ne te prononce plus. Je ne peux pas te laisser un jour. Tu n'es rien du tout sans les clashs. Ne clash plus. N'est-ce pas la vieille femme? Tu ne clash plus. Tu reviens. Je veux t'atomiser. Il n'y a que les mots comme ça, les mots nauséabonds. D'une inclique, d'une rate-rate, comme toi, c'est tout. Ouais. Glutathione aura le même traitement. Voilà les autres qui plaignent. Voilà Nancy. Nancy a failli me tuer jusqu'à moi porter plainte avec son mari. À cause de Kimosa. La fortune d'Ogan a failli me tuer ici. Ah, tous les gens voulaient me taper à cause d'elle. Oui. Même Ndo, même Moulema, c'est Ndole Moulema. Et Ndole Miondo. Même Ndole Moulema. Tous ces gens-là, même Sandra Rose, voulait me tuer à cause d'elle. Aujourd'hui, elle a jeté. Oui? Non, c'est une femme qui n'a rien, qui aime rabaisser. Élise et Lily, je ne suis pas très content de toi parce que tu commentes beaucoup chez là où elle m'insulte. Parce que tu es là, que je connais ton profil. Moi, je t'ai jamais rabaissé dans les réseaux sociaux. On s'est connus avec Liliane Nungue. On est devenu amis et tout ça. Je t'ai toujours respecté. Et quand je vois que tu commentes là où une petite pétasse qui m'insulte comme Isaac, ça ne me fait pas plaisir. Est-ce que tu es là pour que je connais ton profil? Il faut faire attention. En tout cas, bonne journée à toi. Mais oui. Et à quoi? Les gens comme ça. Quand nous on cherchait à quoi, vous étiez où? Tu étais en train de soulever encore des poids. Mais je vais taper ton dos sur ce qui est c'est ça. Aujourd'hui, tu as parlé à qui? Lofombo. Vous avez entendu le dire là. Elle a dit à Ndolo Miondo que quand tu vas chercher des bagarres partout là-bas, ne prononce le nom de l'an 2000. Vrai ou faux? Ndolo, mais. Est-ce qu'il y a Ndolo Miondo? C'est Ndolo Miondo. Ah, vous faites ça pas là-bas. La vidéo, là, j'ai dit. Hein? Donc, compresseur. Ndolo Miondo est là, elle te supporte. Toi, tu dis qu'à Ndolo Miondo que. Hein, parce que. Quand tu prononces tes choses, quand tu vas chercher tes guerres partout, ne prononce pas l'an de l'an 2000. Eh, ben, dis donc. Oui? Elle a dit que c'est elle qui t'a présenté l'an 2000. Oui. Parce que vous étiez ensemble. Oui. Puisque moi, je décrite des choses. Tu as vu comment tu te traites. Toi, tu viens t'asseoir. Elle a dit que quand tu vas chercher tes guerres, dans le Miondo, la vidéo est là. Hein? Que quand tu vas chercher tes guerres, ne prononce plus le nom de l'an 2000. Que c'est elle qui t'a présenté l'an 2000. Et ce qui est fait, c'est fait. Parce que tu es parti au Cameroun. Quand il y a eu le truc à Aqua Palace, tu étais là-bas. Et c'est là qu'elle t'a présenté l'an 2000. Que quand tu vas chercher tes problèmes, ne prononce plus le nom de l'an 2000. N'est-ce pas? Elle a dit à toi. Elle a encore parlé aussi à me sang que c'est elle qui a présenté me sang. L'an 2000, que c'est elle qui t'a présenté l'an 2000, que Ndolo Miondo, quand tu vas chercher tes problèmes à Facebook, ne prononce plus le nom de l'an 2000. On est là.
Parce que je ne vois pas là où qu'on peut soit va présenter l'an 2000 à Messam. Dans quel coin? Hein? Ils étaient ensemble avec comment on appelle l'ancien mari de comment on appelle il y avait l'an 2000, il y avait Messam, il y avait Jessicone. Ils se connaissent, ce sont des hommes d'affaires, ils se connaissent entre eux. Donc, je ne vois pas là où tu as présenté. Puisque quand vous partez, vous tous faites vos choses là. Vous ne vous attendez pas. Vous la présentez qui? Tu veux présenter l'an 2000 à quelqu'un? Il faut dire que c'est toi qui m'as présenté parce que tu connais tout. Mais toi, le 19, au nom de Dieu, que Dieu me préserve, je suis pas une mauvaise personne. Je veux venir. Comme tu dis que tu vas faire la présentation le 19. Même la dame là, les orphelins là, nous, on va donc comme ça. Là. N'est-ce pas que tu es comme ça? Ouais. Voilà mes choses que j'ai achetées. Moi, je suis chez ma côte aujourd'hui. Calme. J'ai dit que j'ai fini d'arranger ma chambre, ma maison. C'est pas un vol. On serait là-bas. On serait là. On va d'abord voir. Comment tu m'as dit que je ne sens même pas l'aéroport? On va d'abord voir si tu vas descendre. Moi, je ne te menace pas. Parce que je suis sûr de moi. Tu sais que tu es devant avec qui tu parles là. Ce n'est pas parce que souvent je n'aime pas trop fréquenter certains gens, certains milieux. Parce que moi je suis respectueuse. Parce que tous ces gens-là me regardent. Oui. Pas parce que je suis souvent appris que quand je suis au Cameroun, je ne veux pas aller vers eux. Parce que je suis dans mon petit monde, quoi. Je ne veux pas trop fréquenter. Mais voilà, c'est tout. Quand je suis au Cameroun, les gens me soupirent. Ah, Zaza, viens. Et moi je dis non, non. Demain, l'an 2000 que je suis. Il connaît. Comme ma famille est pauvre, là. Mais c'est ma famille qui avait besoin de l'argent. C'est mon côté de famille qui donne. En tout cas, on ne parle pas de l'an 2000 ce matin. Donc, toi, là. Je dis que. Hein, tu as dit le 19, non? Tu avais les dons, non? Ne dis pas les bonnes dates, hein? Je veux venir là-bas. Avec. Surprise. On va voir. Avec ton, je veux voir là, ton frère avec qui tu parles. Déjà, quand tu vas au Cameroun, regarde tes vidéos. Regarde mes vidéos. Ça n'a rien. Ça n'a même rien à y voir. Tu discutes quoi avec moi? Des pharaons. Maman. C'est maintenant. Laisse. Je dis que laisse. J'amène ça. Tu vas lécher la chaussure. Tu vas lécher ça. Nous tous on va au Cameroun. Parce que parfois quand les gens, moins d'erreurs ici, on t'attend au pays. Ni on parle nous tous là-bas, non. On enferme tous les blogueurs. Moi, maman, regarde celle qui m'interdit le pays. Je t'interdis le Cameroun. Essaie d'aller au Cameroun. Tu dis dans l'avion, on te met à Kundalini. Mais c'est choquant. Ça, c'est une infraction. Tu vas dire quelle autorité tu as pour m'interdire mon pays. Tu vas aller dire là-bas. Moi, je parle souvent de toi ici. Non, pas. Tu vois que je m'amuse. Hein? C'est quoi que tu t'amuses encore. Hein? Ta gueule là. Je vais la sortir là-bas. Hein? Tu parles beaucoup, non? Tu ne sais pas qui je suis. Nous tous, on va aller au tribunal. Citation directe. Ok. Est-ce que c'est un problème? Mandat de dépôt. Tu parles chez le procureur, tu fais une citation directe. On me prend directement, on m'amène à Kundalini. Et puis, on va voir là-bas. Moi, je t'enferme à Kundalini. Vers là. Tu mérites Kundalini. Tu sais le nombre de personnes que te portent plainte, le nombre de personnes que te détestent. Et comment vous voulez alors que maintenant là, on va encore aider les gens? C'est derrière par mon sang que tu es ce que tu es aujourd'hui. Parce que quand je vois tes photos d'avant, tu ressembles à un corbeau. Tu étais sèche. Je disais, papa, t'as fait. Tu étais malade. Elle t'a envoyé là où on a vu les photos là. Elle t'a envoyé te soigner pour que tu aies un peu la santé. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de devenir le paillasson. Tu sors la gueule. Parce que
tu pries ton marabout qui est devenu le prêtre là. Moi, j'ai saint Michel Archange. Il faut parfois avoir peur. Hein. De toute façon, toi, tu ne sers à rien dans ce monde. Tu ne sers à rien. Tu nous satures l'atmosphère pour rien. Tu ne sers à rien parce que toi. Moi, ça. Tu as peur de mourir. Si tu meurs maintenant, tu crois que tes gens vont venir, vu qu'ils ne t'ont jamais rien fait. Pour manger, tu commandes. Même là où tu vis, ce n'est même pas ton adresse. Tu n'as rien. Les gens, les femmes, qu'elles ont moins, elles ont quand même accouché. Que ce soit leur père, le père des enfants ou pas. Mais les femmes-là ont quand même mis les enfants au monde. Mais toi, rien. Mais tu oses détruire les vies des gens. Parce que tu te crois arriver. Tu es suprême. Parce que tu es un petit misérable, pauvre prêtre. Saint Michel Archange, je t'envoie sur le prêtre de Ngoussa. Va finir avec le prêtre-là. Au lieu qu'il t'apprend les bonnes manières, il t'envoie le pardon, demande pardon aux gens, tu ne peux pas. Quand on va te mettre à Konangi là-bas, il sera là, l'an 2000 sera là. Il sera là. Moi, je vais aller au Cameroun, je veux voir là où l'an 2000 va me mettre en cellule. Je veux voir. Je veux voir l'histoire-ci. Que ma sœur a dit qu'elle va au Cameroun, va t'envoyer 300 000. Quand on t'envoie, la précarité de ça, en tout cas. Moi, j'ai dit que chaque fois que je veux penser à toi, ça devient comme un peu une ironie du sort. J'ai dit que Ngoussa, tu vas te mettre en genoux devant ma mère, devant mon frère. Regarde bien la chose ici, Biondini. 144, avenue des Champs-Élysées. On est toujours là-bas. Moi, j'ai ça depuis. Je n'ai jamais porté ça. Regarde. Jamais. Tu vas aller là-bas. Vous voyez, quand vous arrivez au 144, vous entrez, c'est un petit truc, on appelle ça comment? C'est un peu, une petite galerie. C'est au milieu, là. Là-bas, on vend tout genre de chaussures, de marques, il y a tout là-bas. Les beautés, tout et tout. Il y a même les coiffeuses là-bas. Vous voyez vos coiffeurs là-bas, hein. Bon. Si à Château-Rouge, c'est 40 euros là-bas, c'est peut-être 70 euros, hein. Bah, c'est quand même les Champs-Élysées. Il n'a jamais porté celle-là. Il ne connaît pas, il ne sait même pas la vie à l'autre père, c'est là. Tu vas demander, tu vas fermer ta bouche, ta gueule. De tes cas là qui te supporte là, je vais voir au Cameroun. On va voir. N'est-ce pas, tu parles du pouvoir. Tu as des larges épaules, je vais voir. Où ça? On va voir. Oh, nous tous, ouais. Tu es devant, je suis derrière. On va voir. C'est moi qui te dis. Tu ne me connais pas très bien. Moi, c'est pour moi. Hein. Mon salaire là-bas. Nadia là-bas. C'est pour moi. Elle parle de la vie intime. C'est quoi? Mais ça te doit quelque chose. Hein. Même si sa femme a baisé avec lui, même si sa femme a un show, ça fait quoi que tu regardes? Nous tous, on a eu une vie. Toi, alors, ta vie, t'as pas le peu de ta famille, de ta putain de mère, de tes putains de frères, je sais pas. Ta vie, c'est quoi? Tu as la maladie d'occupation. Tu parles que les gens qui te dépassent. Parce que tu as les petits mingles, les gens derrière toi. Mais moi, tu sais pas qui je suis. Demande à ton l'an 2000, hein, peut-être qu'il ne t'a pas dit vraiment. Je pèse. C'est pas parce que moi, je n'aime pas déranger ma famille. Je n'ai jamais... Au Cameroun, hein, je n'ai jamais pété des millions. Hein. Moi, je n'ai rien. Mais moi, je n'ai jamais pété. Mais les pètes, c'est eux qui pètent l'argent partout dans la famille. Hein. Moi, je ne pète pas l'argent. Tout est enregistré. Moussa. Ne t'inquiète pas. Que mon, vous voyez mon truc sinon. Regarde comment j'ai mis ça. Ça s'est décollé. Je ne sais pas pourquoi c'est décollé. J'ai aussi mis ça aussi autrement. Heureusement que bientôt là, ça va finir. Je parle aux gens. Parce que tu as 10 ans comme la vie joyeuse. Tes 10 ans et mes 10 ans sont pareils. J'ai besoin de travailler pour renouveler mes papiers. Vraiment.
Mais c'est une professeure. Elle profite, c'est bien de profiter. Mais tu peux profiter sans salir les autres. Mais oui, sans mentir sur la vie des autres que tu ne connais même pas. Quand je vois même mon beau-frère l'an 2000, je ne vois pas comme ça. Je préfère encore pas comme ça. L'an 2000, il a donné quoi comme ça? Depuis des années, mon président, il a donné quoi? Rien. C'est maintenant que ma soeur va envoyer l'argent quand elle va aller au Cameroun. Ma soeur Mireille envoie l'argent. Je veux manger ça. Man passe man. Je veux manger ça. Ah. On ne donne pas tous ces secrets. On va voir qui va d'abord pleurer plus que l'autre. On va voir qui va lire. On va voir. Les larmes vont couler. Tu vois comment quelqu'un danse? Parce que on va mettre, soi-disant, une de tes consoeurs en prison. Elle danse. Elle danse jusqu'à elle, elle tous les fesses. J'ai toutes les vidéos là. J'ai tout ça. Donc, pour te dire que, comme ça, la méchanceté. Moi, j'ai un problème de famille que j'ai dit beaucoup de choses que j'ai reconnues. La façon que tu les as expliquées, comme quoi ma mère est venue chasser l'amant de Mireille. Non. Mon père avait quatre femmes. L'amant de Mireille, la deuxième, la troisième, une Bamoun. C'est la Bamoun qui vient chasser la première femme, l'amant de Mireille, et qui chasse la deuxième femme. Elle reste maintenant avec les enfants. Elle ne savait pas. Comme c'était moi. Ramaratoué. C'était une femme qui était une femme de joie, qu'on avait joyeuse. Les enfants, il n'y avait plus la main, il n'y avait plus la deuxième main. Les enfants sont. Oui, il y avait un qui est mort, que l'autre a tapé. La Bamoun a tapé. Dieu qui est mort. Ils ont l'enterré. C'est en l'enterré maintenant là que les enfants, là, les trois, elles étaient petites. C'est comme ça. Elle dit, Beko, comment tu vas enterrer ton enfant là, hein? Pour une femme, tu amènes ici. Monsieur Beko, rencontre ma mère en bois de nuit. C'était pas dans un à Bambouchi. Rencontre ma mère. Ma mère, du jour au lendemain, nous on n'a plus de mère. Ma mère est partie au mariage. Je l'ai servi ma grand-mère. Mon frère n'était pas avec moi, mon frère vient au Gabon. Nous avions séparés étant petits. Parce que de nous deux, mon frère était très très malade, tout le temps malade. On disait que c'était des jumeaux. On disait que c'est moi qui prenais son énergie. Donc nous a séparés. Je ne connaissais même pas que j'avais un frère. Oui. C'est comme ça que moi je reste. C'est comme ça qu'elle part. C'est comme ça qu'elle fait grandir tous les enfants là. Leur maman n'est jamais venu dire bonjour. Mais c'est ma mère qui a tout fait. Et tu ne sais pas la relation que l'an 2000, tu avais cette fille. Ce que ma soeur t'a dit, est-ce que tu as dit à Moussa? On va aller voir ça au Cameroun. Je veux voir qui a raison. Ouais, ma mère là-bas. Gosa a ajouté que ma mère a le sida. Aïe! Moussa. On va parler du terrain au village qui a payé. On va parler de tous les terrains que j'ai. Tu ne me connais pas très bien. Je suis couché ici. Même si je prépare tous les jours. J'ai mon petit rocher ici, je prépare les moussons tous les jours ici. J'en viens manger. Ça ne chauffe pas. Je ne commande pas les réseaux sociaux. Parce que, une comme moi, je demande, on ne me donne pas. Donc, quand tu demandes, on ne te donne pas, tu fais quoi? Tu restes tranquille. Si je fais une litige, qui va donner? Personne. Donc, une soulbataire comme toi ne manque pas de respect. Tu ne connais pas mes enfants. Tu ne connais pas qui sont leurs pères. Tu ne connais pas ma vie. Tu ne connais rien. Tu insultes. Tu sais ce qui est marrant, c'est que nous, on ne peut pas insulter ta famille parce que tu es pauvre. On ne connaît même pas ta famille qui sont ta famille. On ne sait pas du sort de quelle branche. On ne connaît pas ta famille. Donc, comme tu as une pauvre famille, que tu vas toujours t'excuser dans les familles des gens pour montrer que tu es quelqu'un. Parce que sans les familles des gens, t'es rien. Si pas moi, j'en te lâche à l'annonce, te lâcher. Tu seras toujours dans un vieux camion là-bas, dans la prostitution à deux balles. Tu seras rien du tout. Tu as tapé le sida où? Dans les camions, avec Linda. Avec les maris de Doulin là-bas. T'as oublié ça? C'est quand même faire des choses comme ça. Quand Doulin Gama t'a trahi, jusqu'à un grand camp et puisqu'à son village, elle était filmée dans le camion. Maman,
T'as oublié ça? Tu as la bouche pour t'asseoir. Que tu sais parler le français, tu parles doucement. Ah ouais? On va aller parler. Nous, bien, c'est bien, c'est déjà. Waouh, waouh, huit Kennecs, tout le Cameroun, le continent. Samba, 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 Samba. Moi, je te porte pas plainte que j'ai pitié de toi. T'as même pas une adresse. Tu as fui ici, pourquoi? Parce qu'on a bagarré. Je t'ai porté plainte. Tu as fui. On n'a même pas trouvé l'adresse. Tu es parti camper dans le canapé de ta copine. Qu'est-ce que tu en as fait après? Tu as pris son mari. Et tu me parles, moi. Tu as appris que j'ai pris le mari de quelqu'un? Tu parles de la vie de mon frère. Tu parles de machin. Tu te connais, non? Tu as vu ça? Tu as vu la voiture de mon frère au Cameroun? Tu le connais? C'est un maquisard. Attends. Moi, j'ai pris mon Airbus. M'avez-moi au Cameroun. J'ai l'argent d'un Airbus. Tu vas voir. Et la dame que là où tu vas faire don là. Elle-même, nous sommes commissariat. Je vais être dur et cruel avec toi. Je vais être dur et cruel avec toi. Tu as quelque chose comme ça, non? On va voir. Vas-y, essaye. Essaye. J'ai confiance en moi. I am the pet. Moi, j'ai déjà payé mes habits pour aller au Cameroun. Moi, j'ai apprêté. Voilà les choses que je paye. Je me paye ma honte aujourd'hui. Je ne veux pas de ma honte. Ne t'inquiète pas, ma mamie. Ne te menace pas, hein. C'est toi qui menaces. Vous aimez entendre. Vous avez les larges épaules. Il y a toujours un mangue derrière le village, hein, qui protège. Hein. Il y a toujours un baobab derrière le village. On fait comme ça. Comme moi, tu dis que tu vas me mettre en prison. Je t'interdis de Cameroun. Tu arrives dans l'avion. On te parle directement à ton avis. Par rapport à quoi? T'es qui, toi? Hein? Tu dis que l'an 2000, que l'an 2000 a me porté plainte à Flore. Tu as payé pourquoi alors? On n'a pas menacé Flore dans les avions. Que sort d'ici dans l'avion, on n'a pas vu. Tu es une sale hypocrite. Et moi, je vais te terminer ça. Oui. Tu ne sais pas là où tu as mis les pieds là. Si tu crois que l'an 2000 va te protéger, il ne peut rien te faire. Rien. C'est pas que les deux là ne savent rien. Moi, c'est la bonne joyeuse. Les gens comme moi, on minimise. C'est qui je suis. On m'appelle Biloa. Oh, ouais. Biloa, bise. Biloa, bise. Ze. Je ne menace personne, oh. Pardon, ne dis pas que j'ai menacé, oh. Moi, je ne menace personne. Je ne suis rien. Je n'ai jamais interdit quelqu'un quelque part. Mais moi, je m'interdis partout. Oh, l'interdit se tient. Je ne vois pas une femme qui peut mettre mon dos au sol. Moi, la misérable pauvre. Moi, qui ne suis rien, j'ai quand même mis ton dos au sol, rien comme ça. Ciao. Il a fallu les renforts, ne déjà pas. La honte allait te tuer. Il a fallu les renforts pour venir te sauver dans mes mains. C'est pour ça que je me suis retourné. En dehors de ça, je suis allé me faire quoi? On est déjà. Vous êtes venu comme ça. Dans la vie, vous ne connaissez pas les situations des familles des gens. Vous venez entrer. Ce n'est pas ma soeur. En tant que je n'ai pas de soeur, j'ai mes petits soeurs. Son mari. Hein.
une grande famille. Hein. Donc, avant de sortir, c'était des netis dans les réseaux sociaux. Il faut bien vous renseigner, il faut bien te renseigner. Hein. L'histoire de ma mère, elle me fait très mal. Ma mère, c'est la petite dernière, c'est la quatrième femme. C'est la femme Baboune qui a chassé la maman de Mireille. Au nord, ils étaient au nord du Cameroun, à Makari. Oui. Elle chasse la deuxième. La deuxième avait deux enfants. Hein? Elle est partie que maman. Elle est morte, elle est partie avec ses enfants. La maman de Mireille a laissé quatre enfants. Le petit garçon est mort. Dieu. Mais quand tu pars là-bas, hein, il faut chercher une femme là-bas. Ma mère aussi. On t'épouse. Une très belle femme, ma mère. Mince, grand détail. Mais on parlait de mains des gens. En fait, ma mère s'est tenue à l'heure-ci. Ma mère fait les fellations. Il a bien épousé. Hein. Donc là où tu es là, même si on dit que quoi, moi je ne vais pas te porter plainte. Parce que tu ne vaux rien. Tu es pauvre, tu vas me donner quoi? Ici en Paris. Au Cameroun, au moins tu vois quelque chose parce que tu as les milliardaires. Tu as une milliardaire américaine qui te donne l'argent. Et la milliardaire va payer. La milliardaire me suit. La milliardaire va donner $100. Maintenant, tu manges un peu. Tu fais un doulet. On t'a dit que moi j'ai besoin. Que mon âme, on dit l'autre rive. Tu es dans la rive droite, c'est la rive gauche. Que je sois belle et jeune. Parce qu'au Cameroun, là, il faut que je sois bien. Une femme classe belle pour les chapeaux, c'est Alexine Carrington. Je ne connais pas, tu déjà les tenues. Hein? Là, je vais entrer. C'est jamais un amour, peut-être un amour devant. Je suis un amour, non, je suis ma mère, suit mon frère, suit l'an 2000, suit ma belle, ma Mireille, suit toi-même. Tu suis, c'est comme ça parce que il faut que tu viennes dire. Ma mère a fait quoi? Ma mère, c'est la petite dernière. Ma mère n'a jamais pu chasser la maman de tout. Et mon père n'a jamais eu aucun terrain, c'est le terrain de ma grand-mère que j'ai construit. Du côté de ma mère. Tu vas dire tout ça là-bas. Qui t'a dit ça? Il faut que Mireille, tu sois là. L'an 2000, sois là. Parce que l'histoire, c'est que je ne lâche pas. Ça fait des années que ça dure. Donc, comme tu as les larges épaules, comme ton président. Il a les connaissances. Plus que moi. On va voir ça. Ne voyez pas les gens comme moi. Moi, je suis seul, simple et seul parce que je suis une personne que je n'aime pas déranger les gens. Je n'aime pas déranger, je n'aime pas commander. Je n'ai jamais appris que ce patron qu'à moi demander comme peut-être 200 000 ou 100 000, 1 million ou 2 millions. Mais c'est toujours vous les riches qui partez là-bas, vous salir. Vous marchez en sans confiance. Vous avez des millions, vous marchez en sans confiance. Non. Je bois du collagène. L'été arrive. Qu'on soit belle. Mais voilà, aussi, il y a certains gens qui font fermer un peu leur bouche. Celle-là, il faut que je fasse. J'ai tapé le dos sur un jour. Le dos aussi. Pour demander pardon à ma mère. Tu vas lécher ça. Tu es comme ça, King Kong, non? Tout le monde a. Moi, j'ai mon problème avec toi. Pas ma soeur avec toi. On va voir ça. Je te lâche pas dans le temps. Comme c'est toi qui présente les gens. Les gens que tu présentes alors. Il y a un problème, c'est que. Les gens que tu présentes. Bonjour Alex, ça va chérie. Tu présentes alors les gens aux gens.
Les gens-là ont quoi? Ils te donnent quoi, ces gens-là que tu présentes? T'es un milliardaire? Oui, tu es un milliardaire. Moi, je la connais. Je pouvais la racoler aussi. Mais moi, j'ai non. On était ensemble. Parce que cette milliardaire-là est venue ici. C'est une mamoune. Elle est venue la première fois que je suis partie, quand les mensamants étaient là. Quand ils m'ont bien reçu là. Elle était là. Elle m'a donné 100 dollars. Elle était là. Je savais que c'était la personne. Elle était même aux États-Unis. Hein, la milliardaire a dit que les prudents se elle t'invite alors, non? Pardon? Toi et moi, tout ici au Cameroun. C'est qui va nous inviter quelque part? On t'a invité où, hein? Regarde tout ce que tu as fait. Avant, rien. Quand tu fais tes anniversaires, c'est tellement fade. Il n'y a rien de bon. Quand tu n'avais pas ma sang, c'était comme ça. L'autre jour, les gens présentaient leur table de Noël. Tu as mis une petite table de Noël, bien dressée, propre. D'ailleurs, la petite table. Donc, si tu veux présenter la table, maman, 0,0%. Rien. Regarde les tables des autres. Et c'est toi qui viens parler. Regarde la table de Parmesan. Oui, Parmesan, mon âme de poumon. Et alors, ça fait quoi? Ma patronne. Putain de bordel. Quelle patronne? Celle-là qui va te mettre dans la merde? Moi, je mets Azaro. Ça sent. Moi, j'aime les bonnes odeurs. Parce qu'il y a toutes les mauvaises odeurs chez moi. C'est tout. Tu vas me dire là où tu me connais. Vous avez dit ici que ça fait longtemps qu'elle insulte ma mère. Elle a insulté encore les mêmes injures. Elle a droit. Le tout, c'est alors elle a fini, elle a shooté. Alors, j'ai dit que je peux me laisser de tout. Je ne lèche pas. Nous tous en vos Cameroun. Tu vas sentir qui je suis. Comme vous avez les gens, je n'ai personne. Hein, tu as qui au pays? Hein? Ton frère là? Oh, quand tu es au pays, tu veux parler, tu as vu mon frère, non? Hein? Mon frère sortait avec tes cousines. Il a refusé. Tu te souviens pas? Tu veux aller voir mon frère? Ouais, demande à ta soeur de me laisser, non. Tu n'as pas supplié mon frère. Que mon laisse, que je te laisse. Mon frère t'a dit quoi? Ma soeur, la famille, on s'est dit. Des problèmes avec ma soeur reste là-bas. Moi, je veux pas. Je m'en occupe pas. Tu vas supplier pourquoi? Quand moi, je te dis que trop parler donne la maladie. Parce que quand tu parles tout comme je parle là, ça peut être que c'est toi-même qui vas gagner. Mais un cadavre doit mourir, ou toi ou moi. Ta bouche là! Regarde-moi, regarde-moi. Même les yeux, tu n'as pas, tu mets les lunettes. Regarde-moi. Je mets les lunettes. Hein? Je fais souvent comme ça. Pour mieux voir. Mais ça ne veut pas que j'ai une vision trouble. Je vois de loin. Toi, tu mets les lunettes. C'est toi que ta chair à l'intérieur est pourrie. À l'extérieur, le tabassage, les coups de poing. Et tu me parles, moi. Tu me connais? Même si j'ai fait quoi avec ma famille, je devais le faire. Toi, tu es facile. Donc, c'est normal que mon beau-frère vient me dire qu'il ne me connaît pas. Et il y a les vidéos aussi qui vous disent que vous me connaissez. Toi et lui, on va aller. Tu es parti au mariage. Tu as fait la propagande ici. J'étais ici, j'ai dit. On t'a vu à Douala? Non. Tu es parti au mariage? Non. Mais tu pars quand même de suivre. Tu es rentré ici. Tu t'étais. Tu me connais? Tu connais ma famille? Il y a famille et famille. Même si ce n'est pas mon père. Mais il m'a élevé, éduqué comme sa fille. Il n'a jamais fait de comparaison. J'ai toujours été là pour lui. Même ses propres enfants n'étaient pas là pour lui quand il souffrait. C'est moi qui étais là. Quand il est mort, j'étais là. Tu m'entends? C'est mon père. Tu vas me dire là où mon père est pygmé. Parce qu'il y a des choses que tu vas dire. Je ne te lâche pas.
Parfois, je reste comme ça, j'ai envie de mourir. On est ça? Tu connais ton père, c'est qui? Bah, ta mère venait épouser un pauvre blanc. C'est que tu espères que le blanc va mourir avant ton père pour éviter. Voilà, voilà. La petite fille vient te dire, hein, maman, je te présente mon fiancé. On va se marier bientôt. Oh, la dot, oh, la dot. Hey! Hein? T'as fait, t'as dit quoi? Soit disant ta fille, parce que toi, tu n'as pas accouché. Mais les deux machins que tu élèves là, ce sont les vrais enfants. Ce sont tes enfants. Je les connais bien. Je pense que tu es psychopathe. Elle t'a dit quoi? Elle t'a dit non. Pour les l'ado, tu vas voir mes papas. Hein? Et ça va se passer au Cameroun. Tu crois que monsieur Ngossa pas accepté. Elle a divorcé avec toi. Il a divorcé avec toi, donc là maintenant tu as tes propres impôts, des trucs d'imposition. C'est pour ça que tu travailles pour renouveler tes papiers. Parce que monsieur, tu n'es plus Moussa. Monsieur Moussa a divorcé avec toi. Mais il est même trop gentil. Si c'est moi, je n'ai pas annulé le mariage, mais malheureusement, comme il a mangé aussi l'argent et tout. Hein? Je connais ce mec. C'est un gars Bassa. Baromètre là. C'était son ami, non? Baromètre. Le gars, moi, il chie. Tu es pas me sang et sa femme, c'est quoi? Mais laisse-les vivre leur vie. Tu n'as pas que pas me sang, lui-même, sa vie d'avant, elle sait comment c'était. Maman, c'était un bonbon sucré. Il a sa vie qu'il a fait avant. Sa femme aussi a sa vie qu'il a fait avant. Que ce soit les enfants ou pas, ça fait quoi? C'était dérange ou? Parce que toi, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de story. Tu n'as pas d'histoire à raconter dans ta vie. Quand j'étais au Cameroun, j'ai vécu dans terre, j'ai fréquenté. Tu n'as rien. Toi, tu te reconnais seulement dans la violence et étant ma fière. Hein? T'es qui toi? T'es insignifiante. Il faut les gens qui te tendent la main. Tu te prends pour qui? Il y a même parfois qu'on dit que ouais, les sons non. Toi, tu es tout le temps. Tu allumes la caméra, je vais atomiser. Tu atomises qui? Tu atomises quoi? Tu vas laisser un peu? Atomise-moi. Pourquoi tu m'insultes plus? Insulte-moi encore. Mais moi, quand tu m'insultes ou pas, je n'ai rien à foutre. Nous, toi et moi, au mois de mai, le mois prochain, on va voir. C'est du n'importe quoi. Tu te savais à quoi? Hein? Tu parles de ta vie, moi je parle de ma famille. Moi je connais ma famille. J'ai les choses au pays. Ce qu'elle me dit que, hein, montre ton titre, j'ai besoin de montrer. Là où ton président vit là, au Grand Moulin. Si ma soeur ne volait pas l'argent pour aller, quand ils étaient à l'époque, ils habitaient dans un petit appartement avec Banda Voiri, et il avait la 505, une grosse voiture verte. Donc, je ne connais même pas. Donc, c'est ce que tu veux reconnaître. Hein? Et tu me parles de ma famille. C'est bien. Mais aide-moi à détester. Une comme moi. Les vues, je n'ai rien à foutre. Mais je te dis que prépare-toi. Cotisez bien, hein? Je ne te lâche pas. Même si j'ai 50 euros, je veux voyager. Parce qu'il y a des gens ici que quand on est négumène, comme ça, c'est pas aussi aux gens. Continue à atomiser. Quand tu vas te retrouver au pays de si je savais, c'est là que tu vas comprendre. Moi, je suis cruel, hein. On m'appelle cruel dans la famille, hein. Cruel, là. Ne parle plus de ce monsieur. Il a fait quoi pour toi? L'an 2000, il a eu des milliards. Il a eu de l'argent. Tu souffrais ici. Je te voyais quand il a de l'argent. Quand il manquait l'argent, c'est chez moi qu'on venait. D'accord? Un monsieur qui n'a jamais rien fait pour toi. Mon président. C'est que tu es dans une mauvaise posture. Très mauvaise posture. Parce que moi, je ne te lâche pas. Comme tu dis que tu connais bien la famille là.
Tu vas aller dire là-bas. Tu ne me connais pas que ici, là, peut-être que je ne montre pas qui je suis. Je suis une femme qui est très sympa, très gentille. Tu parles de ma mère. Et là, c'est un problème. Tu vas dire à ma mère, si c'est elle qui était la première femme, ma mère, c'est la petite dernière. Elle a même eu pitié. Regarde quoi c'est. Regarde là. Regarde quelqu'un qui me parle. Quand elle décide de la ronger, c'est là que nous n'allons pas la récupérer. Nous n'allons pas la récupérer quand tu partais au Cameroun. Regarde. Aujourd'hui, tu as un peu un semblable de vie. Regarde. Regardez-la très bien. Regardez-moi ces déchets. Déchets humains. Regardez. Alors qu'elle vient ici avec nous. Hein. Mais faut qu'on met là. C'est parce que je me suis laissé pas aller. C'est tout. Je m'en fous. C'est moi la voix joyeuse. Je me suis repris à main. On est pareil. Et c'est toi qui ouvres ta sale gueule. Tu es en train d'aller intriguer les familles des gens. Tu es déjà parti chez Glutation mon jour. Parce que Glutation m'a peur de toi. Pas me sang, il est venu à Rouen un jour. Mais pas me sang. Est venu ici. Même s'il ne voulait pas venir, comment on dit là? Il est quand même venu ici. Il a pris les escaliers, il est venu ici. C'est une marque de grandeur. Eh oui. Il m'a offert les fleurs. Et chaque fois que je le vois, je veux tuer une petite bouteille. Toi, tu as offert quoi à part mon sang? On te prenait comme une petite poupée. Mon frère. Aujourd'hui, tu vas te calmer. Parle d'autre chose. Chaque jour. Je veux dire, tu vas dire, quand je serai au Cameroun, le jour que je vais faire des dons au Cameroun, je veux le père des enfants de Pam, le père des enfants de Mamoun, il va parler le jour-là. On va voir, il va parler. Je serai là aussi. On va voir. Tais-toi. Parce que parfois, je peux m'en pourquoi. Moi, je n'ai pas encore pitié de toi. Il dit, hein, ça. Je peux encore avoir pitié de toi, mais là, nos pitiations. Voilà le remerciement d'une salope, d'une vieille folle. Tu es folle. Tu valorises toujours pas. Tu as toujours valorisé l'an 2000. Il t'a donné quoi? L'an 2000 a donné quoi? Il t'a donné quoi? Il a fait quoi? Même quand ils vont envoyer 300, c'est maintenant qu'ils vont annoncer que. Donc, il parlait avec ma. Donc, Mireille a appelé. T'as appelé, hein, pour dire que. Maman, t'as pas l'argent, hein. Mon argent aussi va sortir. Mais il faut laisser. Tu assumes là-bas. Quand j'écoute tes histoires là-bas à Nantes, personne ne veut même te voir dans sa boutique. C'est toi qui forces. Tout le monde te méprise. Tu viens t'allier avec une déchet comme un gospel qui n'a rien dans sa vie. Franchement. Enfin, bête. C'est quoi? Laissez ce couple-là tranquille. Laissez mon père s'en tranquille avec sa femme. Oui, il ne bande pas. Il ne fait pas l'amour. Ça ne fait rien. C'est sa femme. Sans ses enfants. Non, pas mon ça n'a pas d'enfant. Hein. Et le petit garçon qui joue au football là, ce n'est pas son enfant aussi. Tout cela se ressemble. Ils ont le visage de Parmesan. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, Parmesan. Je pense qu'un cadavre va tomber. Hein. Parce que vos choses-là, moi je parle pour moi. Tu n'as même pas de retenue, tu parles de tout. Tu inventes les choses pour égayer ta team de manioc. Tu dis les commentaires un peu. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'il faut aller lire les commentaires. Parmi 200 commentaires, 154 commentaires sont là parce que ton admin n'est pas là pour effacer. Il n'y a que les cœurs. Quelques petits gens qui parlent bien. Le reste, là, ce sont les gens qui t'insultent. Apprends à lire. Comme ça, tu vas effacer un peu les trucs. Regarde tes pages. Tu fais des directs, tu n'as même pas 10 000 gens qui viennent, qui aiment. Parce qu'il faut comprendre que les gens ont marre. Mais oui. Les jumelles ressemblent, ils n'ont même pas pris leur maman. Les jumelles ressemblent à leur papa.
estime, elle dit que elle connaît le père des enfants, c'est un gars babineké. Eh! Toi, c'est. Tu es ridicule. Idiote. Il faut lire les commentaires, hein. Ce que moi, je me. Lisez bien les commentaires là-bas. J'ai remarqué que tu as baissé un peu, hein. 500 000 partages, mais. Où sont les vues? 6 000 vues? Tu as 6 000 vues, tu as 4 000 vues, tu as 6 000 vues. Et tu as ta page, la page qu'on appelle la page, la même comment là. Les enfants de ma pépé. Tu n'as même pas encore atteint 10 000 vues. Tu es la page est monétisée, mais il faut atteindre 10 000 vues. Depuis là, tu as encore 8 000. À un moment, les gens en ont marre. On a marre de cette histoire. Laisse ce couple-là tranquille. C'est toi qui portes plainte. C'est toi qui fais ceci. Mais laisse alors. Tous les juges, je donne 72 heures. Tu me laisses souvent qui tu veux savoir une personne qui peut menacer quelqu'un. Ah oui. Il y a une manière. Il y a une manière. Ah, tu sais que tu es menacé. Toi, tu veux menacer qui? Parle de ta famille, de ta maman, de ta famille, de tes gens. Laisse les gens qui ont leur famille tranquille. Depuis que je suis ici, l'an 2000, c'est mon beau-frère, non. Il m'a aidé un jour. Moi, voici, ça va m'accuser. Tu ne l'as pas ça. Moi, voici, c'est depuis des années ici. J'avais ma petite pauvre télévision, parce qu'elle tapait ici. Mais lui, il avait l'argent. Il payait les grosses télévisions pour aller donner les gens au Cameroun. Moi, ils m'avaient ignoré. Ils ont oublié que quand ils avaient l'argent, c'est moi qui étais là pour eux. Tu m'as vu parler? C'est ma fille qui m'a acheté ce canapé. C'est ma fille qui m'a acheté la télévision aussi. Quand ils ont vous souvenez quand je disais que ma fille était venue me faire. Parce que c'est comme ça. C'est ma famille, on est comme ça. Je ne demande pas aux gens. Tu m'entends? Ils ont fait quoi pour moi? Mais ils savent que s'il y a un problème ici, c'est moi. On peut compter sur toi, tu as quoi? Tu es une pauvre fille. T'as quoi, t'es rire? Après, tu vas enlever ta caméra. Mon pépé, mon chien, tu gonfles les joues avec tes deux bouts de caca là qui sont remplis ici là. Mais ton jambe sera mal placée. Avec tes doigts, tu es de singe mal. Tu sais, continue. En tout cas, moi, je t'avais dit que. Bi, wabi, ne fa, balata. Il ne faut pas qu'il finisse, c'est quoi? Tu veux quoi se couper là? Laisse-le tranquille. Tu as tout dit. Tu vois que papa me sera peur de toi. Tu vois que maman a peur de toi. Tu es qui? Moi, t'es éduqué. Viens à Paris. Laisse non. C'est quoi? Chaque jour, les mêmes gens. Parce que quand tu parles d'eux, tu as les étoiles. Quand tu parles d'eux, tu as les PayPal. Tu es en train de commander. Tu manges un peu. On dirait que moi je commande pour manger. Chez moi j'ai des parents, j'ai tout, je peux manger quand je mange ce que je veux. Je commande la nourriture n'importe où, on vient me livrer ici. D'accord là? Tu vas y aller demander depuis que mon mari ils m'ont aidé. C'est ma famille non? Ils m'ont donné quoi? Ils savent pas que je souffre ici. J'avais quoi avant ici? Une petite télévision comme ça, les gens se moquaient de moi. Et comme la grande que j'avais, je ne savais pas comment on allume. C'est ma fille qui vient me faire la surprise ici. Toi, tu parles de famille, des gens que je ne connais même pas. S'ils n'ont rien fait pour moi, c'est toi qu'on va faire. Hein? On va au Cameroun. Les 3000, les 450 euros que Mireille, en Gandhi, mon oiseau, le monde, oh, non. Maman est non, mais digne. L'argent que tu vas donner à cette prostituée qui insulte la femme qui t'a élevée, ta mère t'a abandonnée, ta petite. Et tu envoies l'argent à une prostituée qui insulte la femme qui t'a élevée, maman Mylène. Voilà sa cuisine, il faut aller le faire. Moi, je m'en vais faire sa cuisine. Au village. Oh, la maman, ouvre sa sale putain de gueule. Eh, ta mère est toujours à 100 000. Mais encore là, tu es 100 000, c'est. Encore là, tu joues combien? 30 km? Ou 20 km? Ah, et ma mère vient à 100 000, c'est quoi? Elle est obligée de rester là-bas. Elle va rester dans une maison seule parce qu'elle est veuve. Et donc, c'est là avec la joie, elle avait les enfants, et tout. Et ta maman alors, la maison que tu as là où tu vas souvent crécher là maintenant, tu n'as pas honte que c'est ta maman qui construit les petits misérables terrains que tu as vendus là. Où est l'argent? Crée, je vais rembourser quoi?
Tu peux rembourser. On désiste après 14 jours. Quand camp ne rembourse plus rien, vous prenez le terrain. Vous donnez ça, vous donnez 100 000 aujourd'hui. 100 000 demain. Quand on paye les terrains, les Bamiléki, tu crois que je vais manger l'argent dans Bamiléki? Hein? Je veux vendre ça, je veux le vendre. On désiste après 14 jours. Tu n'as plus rien là-bas. Bah, va vendre, non. On fait tchac, je fais tchac. Tu es malade, on t'a pas donné les clauses. Tu sais pas lire. Tu es vraiment illettré. Imbécile, va. Les gens regardent les titres, les terrains et tout. En tout cas, bon. Mais Walos, là, je me coucher. Comme là, il pleut là dehors, là, vraiment, le pays ici. Donc, je vous laisse. En tout cas, on gospite. Lazaro vient. Toi et moi, c'est une place. Toi, tu as raison. Moi, j'ai raison. Comme tu dis que tu as ton prêtre qui fait des prières, ça fait un boomerang. T'es prêtre. Tu as déjà vu un prêtre qui veut, comment on appelle ça, les problèmes. Les prêtres sont là pour apaiser la population, pour apaiser nos plaies, pour apaiser les choses. Et tu es content que tu as un prêtre qui t'a donné une prière. Le psaume 91, je le lis là maintenant, là. Ça va t'atteindre là où tu es là. Tu es tellement bête et idiote. Donc tu ne crois pas en Dieu. Donc ton prêtre, c'est le diable. Moi, je t'envoie ce micro là quand je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire ça, parce que j'ai pitié de toi. Tu ne me crois. Demande de pitié des gens qui me connaissent. Je tape maintenant, son papa, tu vas voir quelque chose qui va t'arriver. Tu seras humilié. Et moi, je vais t'humilier. Pour Namungwe, pour ma fille. Voilà ta fille là-bas. L'homme l'a baisé, on a botté avec ta fille. Hey! Mais c'est ma fille. L'an 2000, ben, ça sera. Tu vas être pareil. Mais moi, je dors dans mon canapé. C'est ma fille qui m'a fait. Ma télévision, je suis content, c'est ma fille. J'ai demandé que je sois à l'an 2000. Si moi, ils ne m'ont rien fait, quand ils ont faim, c'est moi qui donne. Parce que j'ai un bon cœur. Quand ils ont, ils coupent les ponts. C'est toi qui peux compter sur toi. Tu sais, dans ma famille, je suis la plus orgueilleuse de tous. Parce que je me suffis. Je me suffis. Renseigne-toi très bien à Paris. Je me suffis. Je suis une battante. Tu as fait quoi? Ton parlement, c'est quoi? Les camions, aller porter le sida. Aller prendre le mari de Dengaba et stocker 200 000 euros avec ta, ou 400 000 euros avec ta copine Linda. Pourquoi tu as ramassé le sida? Tu ressembles à une pomme. Quand, maman, regarde les photos avant pour ça. Même maintenant, tout le monde est pareil, on a la même vie. Je dis que toi et moi, c'est une place. Quand je retarde, je parle de toi quand je veux et où je veux. Tu entends? Ton petit prêtre là, j'envoie d'abord 5 éclats quand je chez le petit prêtre là. Et toi-même. Tu entends? Laisse couper la paix. Laisse-les. Ils ne doivent rien. Parce que tout ce que tu dis, c'est le mensonge. Pam ça a fait sa vie avant. Il a été marié. Il Pam ça n'était pas marié avec les Jipons. Tu lui as sorti les Jipons. Hé, hey, le mensonge de ça. Pétasse. Tu lui as parlé. Tu parles de quoi? Donc, Mam sang. La maman n'a pas vu sa vie. Elle a eu une vie. Hein? Quand toi, tu regardes les jumelles, les jumelles là ont la tête de qui? Les jumelles ne ressemblent pas à ma sang. Les jumelles là ressemblent beaucoup à leur père. Tu n'as rien fait de ta vie. Tu vas aller qu'en enfer. Baiser bout. Tu dors la nuit. Tu trembles quand tu dors. Mais moi, je vais te dire que tu vas trembler avec moi. C'est toi qui m'as interdit avec mon nom. On y va. Je veux voir là où ton l'an 2000 là-bas me mettre en prison au Cameroun. Je vais voir ça. On va voir. J'entre en prison, lui-même entre avec moi, toi-même tu entres avec moi. Les gens qui ont les anciens dossiers bien gardés, qu'on attend seulement que tchac, on te prend, c'est moi. Au point où j'en suis, je ne te lâche pas. Quand elle est Lady Paul, dis donc. Lady Paul, elle a marié beaucoup donc. Pas me sens pareil. Ne prononce même pas le nom de Lady Ponce là, alors que hein, la dernière fois, elle avait fait la clémence, le tout, ça va t'arrêter. Tu parles de Lady Ponce par rapport à quoi? C'est ta soeur. Tu inventes les choses parce que tu ne sais pas. Tu n'as plus rien à dire. Ferme ta gueule. Pas ma sœur, c'était un homme. Pas ma sœur a fait sa vie. Nous, tout le monde, j'ai financé avec lui.
Papa, ça a fait sa vie. Maman, ça a fait sa vie. Moi, j'ai fait ma vie. Mais raconte pas ta vie. Parce que t'as rien. Quand tu regardes ton parcours, c'est quoi? Voler les petits viandes dans les mamites. Voler les tu portes encore les chaussures que Achille t'avait données. Hein? Que ma fille, ça va. Cristal. Hein? Mais. Je dis que les Warriors. Je dis qu'on va faire que. Parce que tout le monde a son paquet là-bas. Donc, j'entends qu'on a dit. Je tiens ça. Je tiens les deux, nous tous en rentre. Comme tu crois que j'ai peur de Kundali. Il y a les milliardaires là-bas. Je vais aller traquer les milliardaires. Ils sont là-bas. Est-ce que tu vois que je vais dormir là où les pauvres là dorment? Devant entrer à Kundali, de quel côté? Droite ou gauche? Parce que Kundali est très grand. Regarde-moi ça ici. Je t'ai interdit le Cameroun. On te prend la tête. Moi, si. D'où ça part? Vas-y. Tu ne veux pas laisser ton fond de commerce me sang? Mais ça va devenir quoi? Ton objet sexuel? Tu rêves de lui quand tu dors? Tu peux pas dormir un peu un jour? Quand tu es heureux, tu filmes aussi les oiseaux. Tu passes chez debout là-bas, là où je m'assois, là-bas, chez mes gens. Tu fais, on t'a jamais vu. Quelque part là où tu es heureuse, là où tu danses, non? Tu filmes, oh, hey, tu parles un peu quelque chose qui concerne ce pays, quelque chose un peu qui peut. Montre autre chose. Non. Mais ça matin, mais ça midi, mais ça. Champagne, mon président. Tu n'es rien. Toi et moi, c'est une place. Pas mais ça et toi et sa femme, c'est une place. Nadine va passer une place. Arrête. Tu deviens ridicule. Encouragez-la bien, hein. Non, vous connaissez. Et si. Ici, on a la force, et c'est au pays là que tu as. Quand tu entres d'abord, même les taxis que tu prends, ou la voiture que tu prends, quand tu vois d'abord l'état du pays, c'est là que tu sais que ici c'est le chaos. Tu as dit que tu as des épaules lâches. On y va. La femme là qui prend les dons là, elle va me dire de quel droit elle prend les dons d'une femme qui détruit la vie des gens. Maman des orphelins. Les orphelins, hein. Et tu insultes une orpheline? Il dit qu'on va se tirer. Nous tous. Scandale. Ngosa, tu es connu plus que moi au Cameroun. Tu es connu plus que moi à Paris. Tu ne pas que tu es connu plus que moi. Il fallait la voir quand elle était allée avec elle était affifiée. Mbap. Mbibi nous est là. Mais moi, je veux dormir un peu. Après, je vais aller acheter. Il faut que. Attends. Non, je mets ça ici. Je vais aller prendre la côte. En tout cas, sache que pas mon sang. Je suis avec toi aujourd'hui, demain, après-demain. Combat avec toi. Moussa. Laisse ce couple-là tranquille. Hein? Je vais aller au Cameroun. Les jours que je vais donner les dons, c'est les jours-là que le père des enfants, ça va venir parler, va parler de quoi? Essaye, je serai là. Je veux d'abord voir là où tu vas faire les dons là. Toi le milliardaire, moi je n'ai pas de milliardaire. On va voir ça. Tu ne connais pas Etounou là. Tu ne connais pas Kotelina. Moi je suis Moro. Tu ne connais pas la Nancy que je suis. Quand je m'énerve avec quelqu'un. Là, demande-le. C'est quoi? Tu lui donnes quoi? La marque a déposé des injures dans les réseaux sociaux. Tu détruis la vie des gens. Parce que tu n'as pas de vie, tu n'as pas de famille. Mais pas les deux. Ton père, c'est qui? Ton père s'appelle comment? Thomas Sankara. Il s'appelle comment ton père? Tu donnes les noms au père, des enfants, des gens. Toi-même, ton père, c'est qui? Tu n'as même rien foutu dans ta vie. Tu parles de conduire, tu as appris à conduire dans les camions. Conduire, ça veut dire quoi? Moi, je conduisais les BMW, hein, les Porsche, les Boxster. Les Boxster. Tu connais la Porsche, la petite Porsche, les deux places. Les amis, je monte dans les Ferrari. C'est ma vie. C'était avant. Les remèdes. Au moins, je garde quand même un bon souvenir de mes débats. Toi, montre, dis-nous alors. T'as pas ce que le camion a fait ceci. Oh, les bagarres ont fait ceci. Oh, on m'a tapé. On t'a repassé. C'est, ça, c'est lui qui dit ça. J'ai pas de tes remèdes.
Dis-nous où tu as habité au Cameroun, ce que tu as fait au Cameroun. Moi, je parle à l'aisement de ma vie au Cameroun, de ma famille, de mes frères, de mes soeurs. Je parle d'Akwa et tout. Au moins, ça te fait un petit souvenir. Tu as quel souvenir? Parce que quand je parle de souvenir, ce n'est que la douleur. La douleur. Parce que tu n'as rien dit. Du coup, tu t'accroches dans les familles des gens et quand tu vois qu'on te repousse, on peut dire, parce que tu commandes trop. Tu commandes trop. Les gens veulent que rien. C'est là que les problèmes commencent. Tous les gens là, qu'est-ce qui était avec toi là? Ce n'est pas toi qui les a jetés, c'est elle. Donc, on va passer notre temps. Moi, je travaille, je veux. Chaque temps, les oranges. Hé, hey, elle manque. Un bébé, hé, moral lourdement. On t'a même pas encore tiré au sol. Tu vois, Dieu t'a pas aimé. T'as ri. Tu saignes jusqu'au 26. On te tabasse tous les jours. Attends. Mais tu n'as même pas une épreuve sexuelle. Tu es une personne non existante. Tu n'existes pas. Tu es une injure à ta personne. Parce que tu n'es pas une femme normale. Tu es normal. Une copine t'appelle que vient habiter ici au canapé. Tu prends son mec. Et c'est toi qui viens donner des leçons de morale. Le gros français, là, qu'on a dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux, quand tu. Les mots que tu prononces là. Est-ce que tu peux me dire ce que ça signifie? Hein? Tu veux me dire? Parce que je suis en train de gens parler et que tu as les oreillettes. Dis ça. Va. J'étais un peu curieux, je suis allé dans sa page. Allez voir sa page. Hein. Les gens t'insultent jusqu'à. Ton admirateur ou c'est quoi? Il n'est pas là pour effacer. Allez suivre. Tu vois comment les gens les insultent là-bas. Eh, pas. Parce que quand tu ris, que tu envoies le cœur, c'est tout ce que c'est. Il faut lire les commentaires en bas. Tu as combien de vues maintenant? Regardez tes vues. Bah, de toute façon, bonne journée. Je dois faire mes choses. Je vous embrasse. Voilà. J'ai ce que j'avais à te dire. Sache que pas mon sang, c'est mon président. Et je veux le défendre. Mais, par contre, ce que toi et moi, là, c'est une place. Moi, je ne me jumelle pas avec pas mon sang pour toi. C'est une place. Même Bévoine à Noah. On aurait.